C'est dans cette palmeraie, aux allures de campement, que David Birot écrasent Jérôme en leurs habitudes les week-ends. Non, c'est moins naturel. C'est bon d'aller s'embrouiller là-bas, voir combien de casiers bien ça ballonné de ventre là. Ça, c'est relax. Moi, le blanco, il vient de beau, c'est naturel. Ah, le Dieu. Ces jeunes, chez qui la vie en ville a profondément modifié le mode de vie, viennent rechercher un dépaysement total. Il y a du bon comme avant-hier là. À quoi on est revenu hein? Ah, c'est propre. Mais d'accord, c'est que c'est propre, on goûte. Ouais. Non, là-dedans, c'est propre. Ouais, il y a du bon manger. Hein. Mais tu veux... as vu dans la dernière fois, non? Il y a du et puis bon, sucré pour femme. Pourquoi tu n'as pas le paco là? Non, le paco là, le coco là, on ne trouve pas comme ça. Sinon, le coco, mais ça, nous, on veut ce qui est bien arrondi là. Ouais, ah, bien sucré. Hein. Ouais, tu sais, tout le monde ne va pas mauvais banguer, hein. Tout est bon même. Garçon là, ça remis même. Femmes là, comme tu connais les femmes, elles aiment ce qui n'est pas trop cassé là, voilà. Un panaché là est bon. Ok. Ouvre le panaché bon. Combien de litres? Bon, on va 2 litres, on se met à côté là. Ok, il n'y a pas d'assiette. Ok. Ces jeunes opèrent à leur façon un retour aux sources à travers la dégustation du bangui, le vin de palme. C'est un endroit paisible. Voilà, ici, ça sent un peu du commun. On a l'habitude de s'asseoir peut-être dans les maquis, bois de nuit. Ici à Abidjan, mais quand on se retrouve dans ce lieu, c'est dit qu'on a l'impression de se sentir au village. Sous les palmiers, du vin de palme, la viande de brousse, c'est tout à fait naturel. Ce calme et le charme du terroir, Yao Jean-Pierre n'hésite pas à se l'offrir le week-end. Mangoustan, c'est 6 000 francs. Et Pangoulet, c'est 15 000 francs. Vous pouvez essayer de diminuer un peu pour nous. Mangoustan, 6 000 francs. Je vous laisse à 5 000 francs. Ce cadre ivoirien vient ici s'offrir un voyage culinaire dans l'est de la Côte d'Ivoire à travers le menu à la carte, la sauce gnangnang. Maintenant, vous allez faire ça. Comment vous allez préparer ça? Vous allez faire ça traditionnel. Oui, oui. Il n'y a pas trop dur. Non, on ne met pas. C'est gnangnang et. On fait quoi ça? Voilà, un bon gnangnang là, oui, oui. Ça fait du bien. Obtenu à partir de petites aubergines amères, cette soupe trouve son originalité dans les conditions de préparation, similaires à celles du village. C'est naturel. Vous avez vu qu'on a demandé, on veut quelque chose qui est naturel. Voilà. Ah, les gnangnang, voilà. Parce que tout ce qui est huile qu'on sort là, vraiment c'est difficile à prendre. Ah, les stress au niveau du boulot, partout, ah, cette situation difficile bon, qu'on vit dans ces temps-ci là, de temps en temps, vous sortez un peu, vous venez en ami. Une cuisine locale et bio s'invite à la table des Abidjanais. Conservons et protégeons l'aspect un peu villageois. Ce qui fait que les clients vont et reviennent. On fait tout ce qui est viande de brousse, agouti, hérisson, viande de biche, écureuil, le foutou, les sauces villageoises, le jungle avec, comment on peut dire ça, les déchets de l'agouti. Ça, c'est quand c'est demandé. Un peu de tout ce qu'on peut trouver au village. Les sauces avec le vin, ça, c'est pour les chats. Les viandes d'alligator, souvent. Il y a des personnes qui aiment bien manger la viande de serpent. On fait juste pour des personnes qui viennent et qui mangent le foutou. On n'a pas trop de clients qui mangent le foutou. Donc on fait ça, pas en quantité industrielle, juste un peu. On prend soin de choisir les légumes, tout ce qu'il faut, avec soin. On ne prend pas avec produit, on prend pas de choses. C'est pas en quantité, en grande quantité, donc c'est fait avec beaucoup de soin. Un vrai régal avec ces plats qui se négocient entre 1000 et 5000 francs CFA. Manger la durée des... Oh, il y a beaucoup faim là. On mange. Bon, moi, je viens juste manger, m'amuser, pour oublier certains soucis. Un coin reposant. Tu viens, tu te reposes, tu manges. Tout ce que tu veux, il y en a ici. Le couteau, le rhume. C'est intéressant. Quand tu n'as rien à faire les week-ends, tu viens te reposer, c'est mieux quoi. Mais si quand 17h chacun.
Comme au village, la digestion se fait sur des airs de sérénade à l'ivoirienne. Alors, cette immersion en plein terroir séduit forcément les Abidjanais. À Abidjan, ces espaces à forte teneur culturelle et gastronomique se créent à un rythme effréné. Le village s'invite en pleine ville. À Yopougon-Sidessi, une rue est presque dédiée aux Makibété, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Chez Adé, est le repère de Doube Timothée et d'une forte communauté d'Issia, sa ville d'origine. Là, c'est combien? Bon, d'accord, on a besoin de deux. On laisse s'asseoir pour manger. Toujours autour d'un repas, on vient ici s'informer. Outre les questions de développement, la politique n'est jamais loin. Mais pourquoi le Kouroko? C'est trop significatif le Kouroko. Voilà. Kouroko là, c'est une manière de se retrouver. Voilà, chez nous, ici, à la Kouroko, du Kouroko là, c'est l'ensemble d'un groupe. C'est pour s'informer des trucs. On ne fait pas Kouroko comme ça. Parmi les amis, il y a des informations politiques. Et puis il y a des informations aussi pour nous concernant aussi pour les de famille. Voilà. Soit côté politique aussi, on est obligé de s'informer pour savoir comment va la Côte d'Ivoire. Je crois, si les amis aussi, on est obligé de prendre les informations aussi de ce qui passe de notre avenir. Donc aussi au village, quand on va au village aussi, c'est prendre aussi les informations de nos gens qui sont au village, de nos parents, comment eux se comportent au village. L'ambiance conviviale n'attire pas que les BT. Se retrouver au village sans y être vraiment, le concept séduit au point que les grands espaces de divertissement se l'approprient. Ouais. 21h30, Yopougon, Maroc. Sylvain Kwame est le manager général et maître de cérémonie du Baoulé, l'un de ces espaces culturels dédiés à la culture Baoulé, un peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Il ne reste pratiquement plus de place assise quand Sylvain Kwame prend le micro pour égrener le programme de la soirée. La musique tradie moderne est le principal ingrédient qui agrémente les week-ends de la clientèle. Le vin, la bière se dégustent. On se laisse entraîner par des classiques traditionnels ou des sonorités en vogue. Tout est bon pour s'ouvrir aux autres peuples de la Côte d'Ivoire. Allez, 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 célébrons la dodo de mon petit frère.
femme, Dieu, les États-Unis, ta femme, ma belle mère, parler, ta femme est guérie. Elle ne veut servir la paix. Tu dis que la Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un seul pays qui appartient à tout le monde. Et c'est tout ce qu'on sommes là ce soir pour célébrer cette fête. La présence de plus en plus de jeunes perpétue la chaîne de transmission des valeurs. Au-delà de ce business florissant, ces espaces se veulent le fer de lance d'une révolution culturelle. Les grandes nations de ce monde, je vais citer un exemple, la France, voilà, ces grandes nations ont pris leur essor, leur véritable envol, en se ressourçant à leur culture à eux. Que vous soyez Bété, que vous soyez Boulango, Baoulé, Yakuba et ainsi de suite. Chaque personne doit se retrouver dans son identité à lui. Voilà, et c'est important, c'est ce combat que nous menons. La culture ivoirienne prend davantage de place dans une société encore très influencée par l'extérieur. Grâce à ces espaces qui lui sont entièrement dédiés, les Ivoiriens ont bien compris que vivre le 21e siècle, c'est aussi avoir les pieds solidement ancrés dans la tradition.